aux responsables d'établissements publics au Cameroun dans la perspective de l'année scolaire 2024-2025. Madame la ministre des Enseignements secondaires n'a pas encore pris un acte prescrivant la perception des frais scolaires dans les établissements. Abstenez-vous de toute collecte des frais relatifs et l'APEE jusqu'à nouvel ordre de la hiérarchie. C'est un message adressé à tous les délégués régionaux des enseignements secondaires dans tout le Cameroun par Madame la ministre des Enseignements secondaires. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver en direct sur Canal 2 International pour votre émission Le Débrief de l'actualité qui s'intéresse donc ce soir aux frais d'APEE, simple suspension ou alors une interdiction définitive. On a choisi des experts qui ont de la matière grise pour évoquer cette problématique aujourd'hui. Je commence par celui que vous maîtrisez déjà, il est enseignant syndicaliste, Raoul Mopi. Bonsoir. Bonsoir Lille, bonsoir à mes co-discutants de cette soirée. C'est toujours un plaisir de répondre présent à votre invitation. Je pense que l'occasion nous est donnée une fois de plus, n'est-ce pas, d'éclairer la lanterne de la communauté éducative sur un certain nombre de préoccupations, notamment les questions liées à l'APE. Vous savez que cela fait une dizaine d'années que je me balade, n'est-ce pas, sur les plateaux de télévision et de radio pour renseigner les uns et les autres, n'est-ce pas, sur cet arnaque, cet impôt supplémentaire que l'État fait payer aux personnes, c'est-à-dire aux parents, n'est-ce pas, contre leur gré. Je crois que nous allons essayer de comprendre pourquoi la ministre des Enseignements secondaires va dans ce sens. Ce sera avec des textes à l'appui. Je vais vous dire particulièrement merci parce que vous avez bravé la pluie pour venir sur ce plateau pour donner la bonne information aux téléspectateurs. Et lui également, il a bravé la pluie qui s'abat dans la ville de Douala pour être avec nous ce soir en direct. C'est Yves Abama. Aujourd'hui, nous avons plutôt sa casquette de responsable d'APEE. Bonsoir Yves. Bonsoir Lille, bonsoir mon collègue Raoul, bonsoir à notre copanéliste que je vais vous laisser le soin de présenter. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs de la chaîne Canal 2 International. Eh bien, une fois de plus, nous sommes là pour discuter d'une question centrale de l'école, la question des APEE. Je vois que Raoul Mopi a dégainé déjà en vous disant c'est un impôt supplémentaire. Bon, et puis quand il dit un impôt supplémentaire, c'est peut-être qu'il est en train de vous dire la façon dont les parents perçoivent l'affaire. Mais au cours des échanges tout à l'heure, nous verrons si c'est dans ce sens qu'on va, qu'est-ce qu'il en est. Bref, on est là pour éclairer les Camerounais. Merci de votre disponibilité. On doit lui dire merci infiniment parce qu'il a effectué le déplacement pour les studios de Canal 2 International. C'est le proviseur du lycée d'Akwa Nord, Bona Moussadi. C'est pas tous les jours qu'on voit un proviseur sur un plateau. Olivier Ahmed Bombo, bonsoir et bienvenue sur le plateau. Merci madame, bonsoir. Comment vous allez? On sait qu'à un certain moment vous avez une santé fragile. Ça va mieux maintenant? Ça va nettement mieux. Je vous remercie. Et pour ce qui est des examens officiels, ça se passe bien? Ça se passe bien. Je pense que... Pour le pourcentage actuel, pour les résultats déjà disponibles, c'est bon le pourcentage au niveau du lycée d'Akwa Nord? Pour le moment, on avait les résultats du BEPC. Le pourcentage pour le lycée d'Akwa Nord était bien. C'est vrai qu'il y a eu une légère baisse par rapport à l'année dernière. La baisse est d'ailleurs nationale. Voilà. Pour votre information, Akwa Nord a eu 89% au BEPC 2024. Félicitations à vous et merci d'être venu sur le plateau donc du débrief de l'actualité. On va aller immédiatement à la thématique centrale du jour. On a vu tous circuler cette information sur les frais d'APEE. Les parents sont un peu confus. On ne sait pas si c'est une interdiction ou alors une suspension. Et je vais aller droit au but, Raoul. Interdiction ou suspension définitive? Alors, il faut qu'on plante d'abord le décor pour que nos téléspectateurs nous comprennent très bien. En date du 26 juin 2024, Madame la ministre des Enseignements secondaires a signé un arrêté. C'est l'arrêté 294/24, portant cahier des charges, précisant les conditions, n'est-ce pas, et modalités techniques d'exercice des compétences transférées par l'État aux régions en matière d'enseignement secondaire. Alors, dans ce document-là, Madame la ministre des Enseignements secondaires, n'est-ce pas, clarifie un peu le décret du 27 avril 2023, signé par le président de la République, transférant certaines compétences des enseignements secondaires aux régions. Dans le document qui est rendu public par Madame la ministre des Enseignements secondaires, en son article 2, Madame la ministre des Enseignements secondaires dit
Les compétences transférées par l'État aux régions en matière d'enseignement secondaire concernent la participation à l'élaboration de la mise en œuvre de la carte scolaire, la construction, l'extension, l'équipement, l'entretien et la maintenance des lycées et collèges de la région, le recrutement et la prise en charge du personnel d'appui des 10 établissements en fonction des ressources budgétaires disponibles, l'acquisition du matériel et fournitures scolaires, la répartition d'allocations, bourses, etc. etc. Les représentations au sein des organes de gestion et des dialogues des lycées et d'établissements de l'État. Mmh. Alors, pour dire quoi? Pour dire que dans cet arrêté 294/24 du 26 juin 2024, Madame la ministre de l'enseignement secondaire dit exactement ce que la région va désormais faire. Et de ce fait, elle précise à l'article 40 du même document, parce qu'elle a listé un ensemble, je sais que la région va faire conscience de ça, de grâce, tout cela. Elle précise donc à l'article 40, c'est pour finir, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux conventions et aux projets en cours d'exécution dans les lycées et collèges au moment de son entrée en vigueur. Ça veut dire que ce document-ci, n'est-ce pas, tel qu'il est signé, entre en vigueur, mais ne s'applique pas aux projets d'établissement en cours d'exécution. Par exemple, si moi je prends le cas du lycée bilingue de Nilon-Brazzaville, il y a un projet, n'est-ce pas, d'établissement qui est en cours d'exécution, qui s'achève, pour le cas, le 28 juillet, date de départ à la retraite. Même si on peut admettre que dans le même projet d'établissement, il y a des activités qui sont séquencées, qui se prolongent, n'est-ce pas, dans les autres projets à venir. Alors, fort donc de ceci, le délégué régional des enseignements secondaires pour l'Ouest a vite perçu que les charges qui autrefois revenaient aux proviseurs, c'est-à-dire aux chefs d'établissement d'enseignement secondaire, et dont pour certains, avant même que le ministre ne demande de collecter les frais d'APE, se mettaient, n'est-ce pas, à collecter ces fonds-là au prétexte qu'il faut construire, s'il faut construire ça. La ministre a dit, puisque nous sommes dans la décentralisation et que plusieurs des charges qui autrefois revenaient à l'État du Cameroun, à l'État du Cameroun ont été transférées aux régions, et il faut qu'on dise à vos nombreux téléspectateurs que le transfert des charges va de pair avec le transfert de ressources. Conséquence, il n'est donc plus question que les gens se précipitent pour dire qu'ils perçoivent les frais d'APE, parce que plusieurs charges qui revenaient aux chefs d'établissement ont été transférées aux régions. Du coup, ils doivent attendre. Sûrement, Madame la ministre de l'enseignement secondaire va dire la manière dont on va percevoir cet argent et la manière dont cet argent sera géré. Voilà. D'accord. Comment il faut comprendre. Yves, interdiction simple ou définitive? Suspension définitive. Parce que jusqu'à présent, c'est vrai qu'il y a eu des explications données par Raoul tout à l'heure avec certains textes, mais toujours est-il, la question reste. C'est bon avec les frais d'APE? Quand vous suivez Raoul, bon, il fait la lecture qui est la sienne. Et je voudrais dire que cette lecture qu'il fait du texte de Madame la ministre ne fait que reprendre les compétences dévolues aux régions dans le code, hein, le code des collectivités territoriales décentralisées. Donc, il y a un certain nombre de choses qui étaient déjà prévues et que des régions devaient faire auprès des établissements scolaires. Mais comme il a dit une fois de plus, je ne sais pas si la transmission de cette compétence est suivie d'une transmission de ressources. Parce que quand on dit ressources, il y a ressources matérielles, ressources financières, peut-être même ressources humaines. Mm-hmm. Ouais. Donc à ce stade, je me permets de mettre un peu de doute et j'essaie de regarder dans mon rétroviseur. Je me rends compte que les années antérieures, à cette période-ci, il y a toujours eu une note venant soit de Madame la ministre, soit des services déconcentrés, qui demandent aux chefs d'établissement en place de suivre soin aux inscriptions, perception de fonds de différents ordres. Voyez. Donc, quand moi j'ai lu la note de M. le délégué régional de l'Ouest, je me suis dit qu'il y avait une erreur quelque part.
Et je me suis conforté dans cette lecture en lisant la note de Madame le délégué régional du littoral. Parce qu'elle est plus précise, elle vous dit, c'est une suspension momentanée. Et quand je lis encore, il y a une note de l'IGS qui est en circulation, elle est encore plus précise. On dit que voilà. Bien vouloir attendre les dispositions circulaires de Madame le ministre fixant modalités de paiement des frais de scolarité de l'année scolaire 2024-2025. Voilà, donc ça veut dire qu'à un moment, il y aura une autre note de Madame le ministre qui viendra prescrire au chef d'établissement le comportement à tenir. Et maintenant, si ce texte signé par elle est vraiment d'application immédiate, je pense que dans cette autre note, il y aura des précisions qui feront que les chefs d'établissement sauront quoi faire. Mmh. Mais à date, connaissant le fonctionnement budgétaire de l'État, connaissant la situation dans laquelle nous nous trouvons, je doute très fort que nous soyons dans une perspective de suspendre définitivement les AP. Parce que malheureusement, dans le contexte qui est le nôtre, ce sont les parents, l'apport des parents pardon, dans le fonctionnement de l'école est énorme. Sans cet apport, il y a une part importante des enseignants qu'on ne paierait pas. Moi, je vais vous dire, vous m'avez convoqué ici à titre de responsable des APE. Je vais vous dire que comme responsable d'une association des parents d'élèves, nous avons du personnel à payer. Nous avons des vacataires. On a un entretien à faire dans les établissements scolaires. On a beaucoup de choses à apporter aux établissements. Et je me félicite qu'un chef d'établissement soit à côté, qu'il vous dise comment est-ce que l'établissement peut fonctionner, un lycée peut fonctionner sans notre apport, nous les parents, parce que c'est le parent qui parle. Donc, il y a un certain nombre de dispositions qui sont à prendre, à observer, si on veut vraiment que l'APE, les parents cessent, les élèves cessent de payer l'APE, il y a d'abord des dispositions à prendre. Mais pour le moment, je n'ai pas le sentiment que ces dispositions sont là. Et donc, je préfère considérer cette note comme une note qui suspend momentanément les inscriptions. Normalement, comme on a l'habitude de le faire. Monsieur le proviseur, vous avez certainement reçu cette circulaire-là, un peu comme tous les autres responsables de chefs des établissements publics au Cameroun. Est-ce que vous avez eu des parents qui sont déjà venus vers vous pour essayer de mieux comprendre cette circulaire-là? Parce que jusqu'à présent, tout le monde est convaincu qu'il n'y aura plus de frais d'APEE. Et comme vous êtes le responsable d'un établissement scolaire, est-ce que vous pouvez fonctionner sans ces frais d'APEE? Ok, d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous faire savoir, quand vous m'avez appelé hier pour m'inviter à votre plateau, je vous ai dit, je voudrais avoir l'accord de ma hiérarchie. Oui. Je dois rendre hommage à madame la déléguée régionale ici, qui est d'ailleurs en deuil, elle a perdu son frère aîné. Elle a permis que je sois là. Et je salue également madame la déléguée départementale, qui est notre maire dans le Voury, et tous mes homologues proviseurs, qui savent que je devais venir sur le plateau parler exclusivement de la note dont vous parlez. Mm-hmm. Cette note est adressée aux chefs d'établissement pour leur dire ce que mon jeune collègue Abama vient de dire, ce n'est pas le moment de percevoir les frais de scolarité. Et je suis donc surpris d'ailleurs qu'on soit focalisé sur l'APE. Je ne suis pas venu ici faire un débat, que ce soit clair. Je remercie d'ailleurs Raoul pour le développement qu'il vient de faire. Je sais qu'il en a l'habitude, c'est une bonne chose. Mais j'ai peur qu'on s'écarte du sujet. Ce n'est pas l'APE. La note de Mme Adégué Léona est plus explicite, comme il disait. On parle des frais de scolarité dans sa globalité. Bon, donc. Mais y compris, puisqu'on a eu la. Y compris, je suis d'accord. Voilà, j'en viens. D'accord. J'en viens. Alors, je voudrais vous dire que. Mm-hmm. On ne peut pas suspendre définitivement les frais d'APE. D'abord, c'est une note du président de la République, un article du président de la République, je crois, du 19 février 2001, qui met l'APE à contribution dans les établissements pour résoudre un problème fondamental. L'État ne peut plus résoudre tous les problèmes de la société. Mon jeune collègue a parlé tout à l'heure de paiement des vacataires. Dans mon lycée, c'est d'Aquanord, nous avons plus de 65 vacataires qu'on paye. Et il ne faut pas voir en cela le fait qu'on prenne de l'argent aux parents. Il faut voir en cela le fait qu'on occupe déjà une jeunesse. Parce qu'en même temps, ces 65 vacataires ont des familles qu'ils nourrissent à travers les salaires qu'ils prennent là-bas.
dû au fait que l'État ne pouvait plus, comme je dis tantôt, tout supporter. À supposer qu'on... Bon, je vais convoquer maintenant l'Absude. Moi, je suis prof de mathématiques. C'est un jour où on comprend ce que je veux dire. À supposer qu'on suspende dans ce frère, on fait comment? On baisse les effectifs dans l'établissement pour pouvoir contenir ce que l'État pourra payer, les fonctionnaires? Non. On envoie en région, comme on l'évoquait tout à l'heure, puisqu'on est à l'heure de la décentralisation. Je suis en train de vous dire que ce n'est pas possible pour le moment. C'est pas parce que matériellement, ce que Raoul a dit, qui est vrai, les notes sont là, n'est pas encore applicable à l'État. Bon, alors, pour revenir à Madame la Ministre, chaque année, ce travail est fait. Cette indécision est faite. Je voulais que vous me compreniez très bien. À supposer que nous soyons en train d'inscrire maintenant, on n'a pas fini avec l'année 2023-2024. Les activités phares des établissements aujourd'hui, dans les centres comme Aquano ou bien Dedo ou Nilon-Brazzaville, on est en train d'attendre les délibérations du baccalauréat. Et les activités que nous menons par rapport à l'APE au conseil d'établissement, on est en train de renouveler les bureaux des APE. Peut-être il va oublier de vous parler de ça. Renouveler les bureaux d'APE et des conseils d'établissement. Où est la suspension? C'est une disposition de chaque année. La hiérarchie est dans son rôle. Je vais finir. Allez-y, monsieur. Voilà. C'est une disposition de chaque année. Ce n'est pas seulement cette année. Ça a été amplifié par le fait que les notes sont retrouvées sur les réseaux sociaux. Chaque année, d'une manière ou d'une autre, on vous dit que ce n'est pas encore le moment d'inscrire. Et je vais vous dire que matériellement, c'est impossible d'inscrire. Pourquoi? On n'a pas encore les listes des classes. On ne peut faire les listes des classes que lorsqu'on a donné tous les résultats des examens. Le bac et le probatoire sont encore attendus. Si un parent se présente devant moi, vous me dites qu'il va inscrire, je vais lui demander, ton enfant va dans quel chapitre? Sur le budget, j'ai dit, admis en cinquième. Je n'ai pas dit admis en cinquième, cinq, par exemple. Donc, il est matériellement impossible qu'on soit en train d'inscrire aujourd'hui. Il y a certains parents, monsieur, pour ne pas développer, qui ont déjà reçu les messages pour dire que les inscriptions sont ouvertes dans les établissements scolaires. Public. J'aimerais bien. Oui, public. Public? Oui, de venir réserver déjà les j'aimerais bien, savoir de quel établissement il s'agit. Parce que l'inscription est toujours ouverte par une note de Madame la Ministre. La note de l'année dernière, elle a fait le 18 août pour dire qu'on devait inscrire on devait commencer le lundi 21 août 2023 pour l'année dernière. Et on attend certainement. Parce que, écoutez, ce n'est pas seulement le fait de la note. La note indique beaucoup de choses. Madame la Ministre, le ministère de manière générale est en partenariat avec certains opérateurs qui perçoivent les frais exigibles. Elle est en droit de rompre un contrat avec un opérateur. Donc c'est à travers cette note qu'on vous indique que les frais exigibles seront payés à tel ou tel autre opérateur. Elle peut vouloir changer. Pour le moment, c'est la Finance First Bank qui loge les frais exigibles. Elle peut vouloir changer de banque, etc. Il y a tellement de choses qui expliquent qu'il faut que la note Madame la Ministre sorte pour qu'on sache quelle orientation on va prendre. D'accord. Est-ce que parmi les opérateurs, on les a maintenus ou pas? C'est à travers cette note-là. D'accord. Raoul, merci. Pour faire des précisions pour ce qui est de délégué régional pour le littoral, il y a l'objet qui est bien inscrit, interdiction de perception des frais scolaires. Dans la perspective de cette année scolaire 2024-2025, j'ai l'honneur de vous rappeler à toute fin utile qu'à date, Madame le ministre des Enseignements secondaires n'a pas encore pris un acte prescrivant la perception des frais scolaires dans les établissements. Devriez-vous vous abstenir de toute collecte des frais relatifs aux contributions exigibles et à l'APEE jusqu'à nouvel ordre de la haute hiérarchie? Pourquoi à ce moment précis? Puisqu'on dit que c'est quelque chose qui a l'habitude d'être rédigé, envoyé dans les établissements scolaires. Pourquoi maintenant ça fait débat, puisque c'est une norme, pour éviter aussi parfois qu'il y ait des arnaques, qu'on vous dise qu'un proviseur a fui avec les frais, ou qu'on vous dise qu'on a affecté quelqu'un et qu'il a reçu de l'argent. Pourquoi ça devrait poser un problème actuellement? Non, on est dans un contexte différent. Il faut que nos téléspectateurs nous comprennent très bien. On est dans un contexte différent. J'ai dit dans mon propos inaugural qu'il ne faut pas essayer de confondre les choses. Ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire la raison pour laquelle on demandait de ne pas percevoir les frais, n'est plus véritablement cela cette fois-ci. Parce qu'on est dans un contexte de décentralisation, de transfert de certaines compétences.
N'est-ce pas? Sauf qu'on vous dit, le proviseur vous a dit tout à l'heure là, que pour le moment, on parle de transfert de compétences, mais ce n'est pas encore effectif sur le terrain. Écoutons-nous bien. Je ne suis pas en train de discuter avec le proviseur. Moi, je m'en tiens à ce que la loi a dit. N'est-ce pas? Parce que l'article 20, parce que si on ne regarde pas les choses, on ne va pas comprendre la profondeur du problème que pose madame la ministre d'enseignement secondaire. En fait, l'article 20, que voici, je vais lire pour le compte de nos téléspectateurs, stipule ceci. La région recrute sur la base d'un contrat et à durée déterminée le personnel d'appoint des lycées, collèges de son ressort territorial en fonction des besoins exprimés par les services techniques déconcentrés du ministère en charge des enseignements secondaires et des ressources budgétaires disponibles. À ce titre, la région lance les appels à candidature spécifiant le nombre et la nature des postes à pouvoir, les critères de recrutement, la qualification requise et la durée du contrat. Quand je lis simplement cet élément-ci, vous ne voyez pas qu'il s'agit d'un élément sur lequel plusieurs chefs d'établissement s'appuyaient pour lancer, n'est-ce pas, les inscriptions, les questions de construction d'établissements scolaires. À partir du moment où la ministre d'enseignement secondaire signe cet arrêté, n'est-ce pas, pour définir le cadre normatif dans lequel le transfert de compétences va s'opérer. Il est de bon ton qu'il demande qu'on arrête les inscriptions. Or, avant, qu'est-ce qui se passait? Ce qui se passait, c'est que les proviseurs, par exemple, qui savaient qu'ils vont aller à la retraite, ceux qui sont en indélicatesse avec les gestions de fonds de leur établissement, qui savent qu'à la suite, par exemple, d'un décret de 17 heures, ils peuvent être envoyés au quartier, ou bien alors on peut les affecter dans un endroit moins juteux. Il faut qu'on le dise comme ça, pour que les gens comprennent bien. Oui, pour que les gens nous comprennent bien, n'est-ce pas? Ce précès à inscrire les gens, parce que quand le professeur parle, n'est-ce pas, des structures d'inscription, MTN, Orange, les banques qui reçoivent les frais d'APE. Mais le professeur ici présent sait lui-même que à Douala, il y a les professeurs qui perçoivent les frais d'APE directement, mon propre. Il n'est pas dans tous les établissements. Écoutez-moi bien. Ça veut dire que le fait, n'est-ce pas, de mettre en vitrine les outils de collecte comme les sociétés de téléphonie mobile ou bien les banques, n'est-ce pas, pour moi, à mes yeux, n'est pas un argument pertinent. Ce qui est pertinent à mes yeux, c'est pourquoi est-ce qu'on demande au chef d'établissement de ne pas inscrire, de ne pas percevoir de l'argent. Justement parce que plusieurs sont en indélicatesse. Plusieurs ont un problème personnel avec l'argent. Il faut qu'on se le dise. Et à partir du moment où les fonds circulent de main en main, c'est des centaines de milliards. Je vais vous dire. Une étude, n'est-ce pas, qui a été faite par le SINAES entre 2018 et 2019 dans les régions de l'Ouest et du littoral a révélé que rien que pour l'année scolaire 2018, les parents de la région de l'Ouest ont contribué à hauteur de 4 milliards les frais d'APE. Et montant relativement supérieur, parce que 5 milliards, 5 milliards et demi pour la région du littoral. Donc c'est de l'argent frais qui, n'est-ce pas, nos pays a véritablement aucun mécanisme de contrôle. C'est-à-dire que c'est des choses qui se passent de main en main, où par exemple les chefs d'établissement prennent sur eux de caporaliser les équipes, les bureaux qui gèrent l'APE. Et puis font de ça tout ce qu'ils veulent. Parce qu'on ne peut pas venir nous dire ce plateau-ci que c'est de manière spontanée que le ministre s'est levé comme ça, là, comme une petite folle, et a décidé d'arrêter cela. En fait, les latins disent que ex nihilo nihil fit. Rien ne se fait en dehors de rien. Si la ministre prend la mesure, c'est qu'elle-même, elle est informée. Elle a les relais sur le terrain qui lui ont dit que madame, à date, il y en a qui perçoivent déjà l'argent, ils perçoivent les frais d'appel, ils perçoivent les frais exigés. Et donc, pour ces raisons-là, il faut leur demander d'arrêter cela. Et c'est vrai. Et quand M. le proviseur dit, par exemple, que aucune école ne peut fonctionner, n'est-ce pas, ça a un peu, là, moi, j'ai besoin de lui demander, qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait quoi avant? Est-ce qu'il y a toujours eu l'APE au Cameroun? Est-ce que pour ce faire-là, l'école a cessé d'exister? Est-ce qu'on peut établir aujourd'hui que parce qu'il y a l'APE, l'offre en matière éducative, n'est-ce pas, est mille fois mieux que ce qu'il y avait avant? Je ne veux pas vous surprendre en vous faisant comprendre que dans bon nombre de villes au Cameroun, il y a des lycées et collèges qui n'ont pas d'APE, mais ces établissements fonctionnent. Parce que n'oublions pas, monsieur le proviseur, que l'État, et c'est l'article 2, si vous prenez la loi d'orientation, n'est-ce pas, de 2018,
C'est l'État qui a dit, c'est pas les pompiers. L'État dit que l'éducation est une grande priorité. Grande priorité de l'État. Si l'éducation est une grande priorité de l'État, cela veut dire que même là où on ne paye pas la paix, l'État a le devoir de former les Camerounais. Et je pense que c'est justement à ce niveau qu'on doit être. Et si le débat va maintenant au niveau du Conseil régional, c'est justement parce que plusieurs chefs d'établissement font un très mauvais usage de l'argent de la paix. Yves Bama, est-ce que c'est pas aussi parce qu'à un certain moment, il y a le caractère obligatoire de l'APE devenu un sérieux problème qui amène à ce débat aujourd'hui où chacun souhaiterait véritablement qu'il y ait suspension définitive des frais d'APE au point où une circulaire amène les gens à développer chacun à sa façon, avec sa compréhension, avec ses arguments, avec ses idées. Non, je me félicite déjà de ce que le proviseur a pu recadrer le débat parce que on avait le sentiment que effectivement, c'est un débat sur l'APE. Non, c'est la suspension de la perception de tous les frais. Et ce recadrage-là me permet de revenir à Raoul pour dire à Raoul que je suis un peu embarrassé quand je l'écoute. Parce que un coup, Raoul nous dit que on suspend parce qu'il y a des compétences qu'on transfère au conseil régional. Un coup, Raoul nous dit on suspend parce que Madame la ministre aurait appris ci ou ça venant des chefs d'établissement. Entre ces deux propositions, moi je vais choisir une et je vais choisir la seconde. Pourquoi? Et le proviseur est là à côté de nous. Et vous avez dit quelque chose tout à l'heure, je vous ai demandé, mais c'est dans le public. J'ai posé la question à dessein. Des années antérieures, il y a des choses qu'on a souvent entendues. C'est-à-dire que, comme il le disait, des chefs d'établissement, sachant qu'ils sont sur le départ ou alors en position indélicate avec leur hiérarchie et sachant qu'ils ne vont pas rester en place, se permettaient de faire un certain nombre de choses. Et c'est à la suite de ces pratiques qu'effectivement, Madame la ministre décide de commencer à suspendre les inscriptions. Donc en réalité, la piste du conseil régional que Raoul est en train d'évoquer et qui pour moi serait salutaire pour beaucoup de vacataires, parce que je dis, si le conseil régional commence à payer ses vacataires, commence à les recruter, à les former, à les payer, je vous assure que c'est les gens qui seront payés sur toute l'année scolaire. Parce que ne faisons pas dans la langue de bois, pour le moment, ils seront bien payés. Les fonds disponibles pour le moment dans les assurances ne permettent pas qu'on leur donne un traitement annuel. On les paye sur une certaine période de l'année. Donc, ce sera une bonne chose. S'il te plaît, tu vas me reprendre là-dessus. Non, il n'a pas eu le temps. Il ne vous a pas dérangé quand vous parlez. Laissez-le. Tu vas me reprendre là. Vous avez le feuille pour noter. Tu vas reprendre. Il faut me laisser gâter. Donc, ça fait que pour nous autres qui sommes enseignants et qui ne voulons pas voir nos collègues dans la souffrance, ce serait même très bien que le conseil régional les prenne en charge. Mais pour le moment, quand on regarde les priorités, les principes budgétaires de l'État, vous savez qu'au mois de novembre, là, il y a un budget qui a été voté. Vous allez, au mois de novembre prochain, il y a un autre budget qui sera voté pour l'année prochaine. Il y a un collectif qui vient d'être fait. Essayez de prendre les documents, entrons et voyons si, au niveau du budget du ministère des enseignements secondaires, il y a des ressources prévues comme des ressources financières prévues à transférer au niveau des conseils régionaux. Je ne pense pas que ce soit le cas pour le moment. Et du coup, je suis d'accord avec M. le proviseur qui pense que la note là, et quelque part, Raoul lui-même, dans ses développements, l'a dit, il a dit les compétences à transférer. Cette note est en train de prévoir ce qui va se passer. Je ne pense pas que ce soit d'application immédiate. Parce que s'il fallait l'appliquer immédiatement, la question des fonds se poserait immédiatement. On se demanderait alors, les conseils régionaux prendraient cet argent où? C'est là le vrai débat. Comment ferait-il pour payer tout ce personnel? Vous voyez? Donc, il faut bien que cette loi s'applique, mais elle ne peut pas s'appliquer quand tous les éléments ne sont pas réunis. Donc, voilà pourquoi, pour le moment, je garde une certaine réserve. Sur certaines choses. Monsieur le proviseur avait quelque chose à repréciser. Oui, parce que j'ai vu noter tellement de choses. C'est l'occasion pour vous de revenir sur certains points. Qui ne vous ont pas particulièrement... merci madame. Mon jeune collègue Raoul Emopi a évoqué certains points sur lesquels j'aimerais revenir. Allez-y. Et pas du problème que pose madame la ministre. Apparemment, lui, il est Il travaille avec la ministre. Voilà, c'est-à-dire que lui, il est dans le secret de madame la ministre. Pour le moment... Attendez. Calmez-vous. Pour le moment, on s'en tient à la note de madame la déléguée régionale qui dit de surseoir à la perception des frais de scolarité de manière globale.
Donc, Monsieur Raoul, vous ne pouvez pas avoir été dans le secret de Madame la ministre pour savoir qu'elle veut mettre en application l'apport du Conseil régional. Je suis d'accord avec vous. Je parle de l'application. L'application. Bon, le deuxième point sur lequel je voudrais également reprendre mon jeune collègue, perception des frais d'appui par les proviseurs. Moi, je m'abstiens souvent de parler de ce que je ne connais pas. Voilà, monsieur le président, oui. Donnez-moi une seconde. Oui. Ce point-là, je vais lui répondre là-dessus. Il y a une note. Répondez. Oui, non, je vais lui répondre parce que je suis responsable. Je suis gentil ce soir. Ok, merci. Vous ne m'avez jamais rien refusé. Donc, en réalité, il y a une note de madame le délégué régional, je parle pour la région du littoral l'année dernière, qui demandait aux responsables d'APE de ne pas accepter que les fonds de leur association soit perçu dans les établissements. Elle exigeait que, et ça remonte même au-delà de l'année dernière, chaque association ait un compte en banque. Par exemple, nous, dans notre lycée, nous sortons d'un contrôle. Et je vous assure que quand les responsables de la région arrivent pour nous contrôler, une des premières choses qu'ils nous demandent, c'est le relevé de notre compte bancaire. Les frais, c'est à la banque. Elle a aussi fermé les établissements l'année passée. Laissez le proviseur aller jusqu'au bout. Donc, la perception des frais d'APE par les proviseurs, c'est totalement impossible. Impossible. À l'état actuel des choses. Parce que, non seulement, on est dans la logique d'aller à la banque, pratiquement tous les établissements, mais là où c'est fait, ça peut être perçu à l'intendance, après, c'est transféré à la banque avec le trésorier de l'APE, compte reçu. Donc, ceci est totalement impossible, M. Raoul Lemopi. Vous dites que l'argent n'obéit à aucun contrôle. Informez-vous, beaucoup d'établissements ont reçu des missions de vérification. Les audits, Beaucoup d'établissements, y compris les Chalacois-Nord, ont reçu des missions de vérification, de gestion des fonds d'APE. Des fonds d'APE spécifiquement. Voilà. Nous avons été d'ailleurs très, très contents de recevoir ce contrat parce que, à l'occasion, j'ai compris, moi, en tant que chef d'établissement, le rapport que je dois avoir avec le président de l'APE. Beaucoup d'éléments. C'est quel rapport? Non, par exemple... De vous entendre? Non, pas dans votre sens. Je vais dire, par exemple, il y a beaucoup beaucoup d'éléments qui entrent dans la gestion de l'APE, dont les informations doivent venir du chef d'établissement. Ah, d'accord. Moi, personnellement, j'ai pris acte de ce que certains documents qui pourraient rendre la gestion plus fluide n'étaient pas dans mon établissement pour la gestion. Et j'ai mis ça immédiatement en application. Vous comprenez, donc c'était une mission également salutaire. Beaucoup d'établissements ont reçu cette mission de contrôle. C'était pour dire à M. Raoul Lemopi que l'argent obéit à ce contrôle-là. Les fonds d'APE obéissent à un contrôle. L'État a un regard particulier sur le fonds d'APE. Je n'ai pas fini. Il m'a repris quand j'ai parlé de l'école qui ne peut fonctionner sans l'APE. Vous n'avez pas compris. J'ai dit à l'État actuel des choses, en prenant le cas de mon établissement. Si on suppose que la note signifie qu'on doit suspendre définitivement les fonds de l'APE, les établissements ne pourront pas fonctionner. Ceux qui le faisaient avant, avec l'APE qui vient en appui. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et il y a une question des téléspectateurs, les vacataires, les bâtiments, les heures supplémentaires sont financées par les parents. Est-ce que vous trouvez cela normal en tant que chef d'établissement, que ce sont les parents qui contribuent à réhabiliter un certain nombre de choses, à payer des enseignants vacataires, déjà asphyxiés par les frais de scolarité, asphyxiés par les frais d'examen, etc. Oui, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand je faisais allusion au décret du ministère. Vous pouvez vous rapprocher de votre... Au décret du président de la République, qui instruisait justement l'appui de l'APE aux établissements public. C'était justement pour venir en appui à l'État afin que un pan des charges qui sont liées, parce que c'est des charges qui sont lourdes. Quand je prends le cas de mon établissement par exemple, qui est un lycée que vous connaissez bien, qui est assez grand, avec des infrastructures vétustes, comme vous connaissez très bien, voilà, il faut les entretenir, etc. L'État ne peut plus résoudre tout ce problème. Étant donné qu'il y a tellement boom démographique dans les stations. Ainsi de suite. Voilà, c'est ça. D'accord. Et il y a justement, lorsqu'on a mis le débat, l'affiche s'est retrouvée dans l'espace public, il y a eu cette sortie de Ngouaba, que vous connaissez certainement, qui a dit le MINSEC n'a ni la qualité, ni la compétence d'annuler
ou suspendre les frais d'APEE ou autres frais, elle reste une exécutante. Seul le président de la République peut annuler les frais d'APEE pour la simple raison que les 10 frais sont institués par un décret présidentiel 2001. Toutefois, les frais d'APEE sont des contributions volontaires. Selon les articles 46, 48 du décret cité, notez bien, selon lui, Ngouaba, il s'agit d'une mesure conservatoire prise chaque année par le MINESEC pendant les vacances scolaires en attendant les nominations. Concerne tous les frais exigibles ou non, elle vise simplement à lutter contre les malversations financières. Ça, c'est un. Ça, c'est Kunke Ngouaba, lui, officier des palmes académiques. Il est maintenant au transport. Oui. Voilà. Mmh. Et maintenant, est-ce qu'il n'est pas temps, justement, de repenser de façon globale les APE, de façon systématique, pour éviter qu'à un certain moment, lorsqu'il y a une sortie, que ce soit des directives données par Madame la ministre, qu'on profite pour scanner le problème un peu plus de façon globale et permettre aux uns aux autres de pouvoir gérer. Parce que même si on vient demain dire que voici les frais d'APE, les parents seront... Ça va compliqué. Non, si on dit voici les frais d'APE, les proviseurs vont continuer à percevoir. Les parce qu'il faut, il faut comprendre quelque chose qui est simple. Il faut laisser celle du tunnel à Bama. Quand je parle français, vous êtes un journaliste, une journaliste de qualité. Vous pouvez prendre certains membres de vos équipes ici. Vous descendez, vous menez une enquête dans les lycées et collèges, quand je collège c'est esthétique de la région littorale. Vous allez vous rendre à l'évidence que au moins 60% les chefs d'établissement sont en train de passer les marchés. Je dis au moins 60%. Vous avez les preuves, hein? Oui, j'ai dit au moins 60%. Madame la ministre peut vous contacter pour prendre plus d'informations. Je vous dis au moins 60% des chefs d'établissement sont en train de passer les marchés. Parce que lorsqu'on vous dit, par exemple, qu'ils ne doivent pas percevoir, je vous ai dit que ce n'est pas une note qui peut tomber comme ça du ciel. Je vous ai dit que rien ne se fait en dehors de rien. Ils passent les marchés. Ils savent simplement que le moment venu, quand on va dire, percevez-vous, mais qu'on va défier les mécanismes pour percevoir cet argent, n'est-ce pas? Les côtes parts vont commencer à tomber. Et s'ils ne sont plus là. Tous, écoutez, quand on va. Oui, parce qu'il y aura des affectations. Vous voulez même que je parle le même gros. Ils peuvent pas être là. On passe les marchés sur les papiers, voici improvisé, il faut qu'ils nous le disent. Non, mais il vous a dit tout à l'heure, il ne veut pas dire ce que je ne connais pas. Écoutons-nous un peu. Écoutons-nous le ministre. Nous sommes dans un pays, on se comprend bien. Écoutons-nous un peu, n'est-ce pas? Quand je vous dis qu'il passe les marchés, il passe les marchés. Ce n'est pas un débat. Qui vient prouver le contraire? Parce que la ministre va vous contacter certainement pour avoir. J'ai les preuves. Alors, maintenant, pour dire autre chose. Quand je dis qu'il n'y a pas de contrôle, c'est vrai qu'il n'y a pas de contrôle. Mais il faut repenser. Parce que c'est là que j'arrive. Quand il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de contrôle. Parce que comment vous pouvez expliquer que dans un lycée X, où par exemple, on a les frais, les frais d'APE qui peuvent s'élever à 125 millions, à 130 millions, où il n'y a presque pas grand-chose à faire, n'est-ce pas? Hein? On a les enseignants qui sont à peine à 50, 55 000 francs de salaire. Et vous dites qu'un contrôle est passé, il a vu ce qu'il a laissé. Mais je crois qu'il y a des prémices du vol. Il faut qu'on soit honnête pour le dire. Il ne faudrait pas qu'on focalise l'attention, on va dire, les bâtiments. Parce que sur les bâtiments, je ne dis pas que les bâtiments ne servent à rien. Il est plus facile de voler sur les bâtiments que de voler les salaires du personnel. Parce qu'on ne peut pas comprendre quand même que sur une masse salariale de 125 millions, que la masse salariale, pardon, sur un budget, par exemple, de 125 millions, mais de 130 millions, que la masse salariale, c'est-à-dire à partir, ce qu'on retient sur les 125 millions, peut-être pour payer les enseignants vacataires, qu'on soit à peine à 29 ou bien à 30 millions, on peut se demander le reste par où. Est-ce que même s'il faut construire, on va construire tout un lycée, n'est-ce pas, sous un seul trait? Moi, je dis, il faut faire très attention. Lorsque les gens se plaignent, et vous voyez, c'est même par dépit, que certains arrivent jusqu'à demander que ce soit le conseil constitutionnel, le conseil régional qui gère ces affaires-là. Et maintenant, vous avez le problème qui va se poser, un problème, n'est-ce pas, de convenance juridique. Parce qu'on va dire, bon, l'agence, c'est l'agence d'une association. Comment elle peut, n'est-ce pas, comment cette association peut laisser qu'une entité autre s'approprie son agent pour le gérer? C'est ça toute la grande question. Alors, qu'est-ce que moi je propose? Et je l'ai toujours dit. Je n'ai pas encore demandé ce que vous proposez. On reviendra sur... vous parlez des frais d'APE. Non, je demandais s'il y a une façon de repenser de façon systématique, hein, pour éviter qu'il y ait des... Non, pour s'il faut repenser, n'est-ce pas, ces frais d'APE. Moi, je vais vous dire une vérité. Il faudrait simplement que la justice soit forte. C'est-à-dire que sanctionner sans état d'âme tous les chefs d'établissement qui s'amusent avec les cotisations des parents. Il faut bien comprendre. Et la deuxième chose qu'il faut essayer de voir,
Je ne sais pas pourquoi on parle toujours de l'APE. Si l'État estime que le montant que lui-même délibérément, il a décidé d'allouer pour la formation d'un enfant au premier cycle, par exemple 7500, s'il estime que c'est petit, n'est-ce pas, que l'État passe de 7500 à 15000, et que si les 10 000 qu'on paie au second cycle, c'est petit, qu'il passe de 10 000 à 20 000, et puis qu'on en parle, qu'on ne parle plus jamais de ces affaires d'APE, qu'on sache que les enfants payent leur pension à 15 000 et à 20 000, et là maintenant, les codes parts qu'on veut mettre à la disposition du conseil régional, qu'on mette à la disposition du conseil régional, puis le conseil régional va exécuter tout ce qu'on dit ici. Je sais quand même que M. le professeur qui est en face de moi va voir cela peut-être comme une sorte d'outrage. C'est un peu, je sais, que si on arrive, par exemple, soit à dissoudre définitivement la peur, à dissoudre la peur, ou bien à transférer, n'est-ce pas, les modalités de cette gestion au conseil régional, c'est un peu aussi comme si, n'est-ce pas, on interdisait aux gendarmes et aux policiers d'utiliser le sifflet. Et ça peut poser problème. Alors, Yves, vous qui êtes président de l'APE, il y a des parents qui demandent la suspension définitive. Oui, et je voudrais d'abord dire que une fois parce qu'on est déjà asphyxié par des frais scolaires. Oui, oui, une fois n'est pas coutume. Je vais être d'accord avec Raoul sur un point relatif à l'APE. C'est quand même le traitement des anciens vacataires. C'est-à-dire que si ce serait bien que on essaye de voir si on ne peut pas ce traitement ne peut pas s'améliorer. Maintenant, je vais être un peu opposé à lui. Je vais être opposé à lui pour dire que, en réalité, et je reviens sur la question de la manipulation des fonds de l'APE. Comprenez. Je profite pour saluer le sous-directeur des affaires générales à la délégation régionale, M. Souma, parce qu'il était chef de la mission qui nous a contrôlés pendant des heures. On vous dit, sortez votre relevé bancaire, on prend le relevé, on donne. Ils épluchent ce relevé page par page. On essaye de tout voir. Je vous assure que ce jour-là, j'ai transpiré. C'était un contrôle. Vous reprochez quelque chose? Non, non, derrière. Tandis que, on vous cuisine pendant le contrôle. Donc, quand on dit que cet agent n'est pas contrôlé, moi, je suis extrêmement sûr. Il y a un contrôle. S'il te plaît. Le problème, c'est que le contrôle n'est pas seulement punitif. Le contrôle est pédagogique. C'est des gens qui viennent pour vous dire, OK, on veut voir vos pratiques. Voici ce que nous sommes en train de faire. Entre-temps, on contrôle vos factures. S'il y a de l'argent qui est sorti et dont on ne connaît pas la destination, vous allez répondre. Mais s'il y a des pratiques que vous faites qui ne sont pas bonnes, ils vont vous dire, OK, vous avez l'habitude de faire ça, ne le faites plus, faites comme ça. Mais est-ce qu'on a vu où est-ce que vous déposez ces fonds-là? Parce que quand vous dites aux parents, vous payez les frais d'APE, c'est pour les vacataires, c'est pour les bâtiments, c'est pour l'amélioration des conditions d'école des enfants. Oui. Mais parfois, on paye les frais d'APE, mais on vient dans l'établissement, on a même du mal à croire que c'est un établissement. Vous savez, Lille, vous avez un chef d'établissement à côté, peut-être il est mieux placé pour répondre. Vous attendez, je vais vous dire, Lille, quand vous lisez les textes, vous allez comprendre pourquoi je vous renvoie vers le chef d'établissement. Quand vous lisez les textes qui régissent les APE, vous allez vous rendre compte que ces textes vous disent, il y a une circulaire de 2008 qui vous dit clairement que le seul gestionnaire dans un établissement public, c'est le proviseur, c'est le chef d'établissement. D'accord? Donc, quand vous faites, au mois d'août, je pense que monsieur le proviseur, peut-être qu'ils sont en train de le faire, on vote le budget prévisionnel, on prévoit l'apport, on nous dit, vous, à l'APE, dans ce que nous sommes en train de faire, quel peut être votre apport? Dès qu'on a défini notre rapport dans ce budget, ce qui nous reste à faire, c'est de mettre à disposition quand les chefs de l'établissement en a besoin. Le mois arrive, le proviseur vous dit, monsieur de l'APE, je voudrais payer mes enseignants. Est-ce que je peux avoir, il vous saisit par écrit. Mais on a dit que les frais-là ne sont pas obligatoires. Pourquoi alors on se retrouve parfois avec des enfants qu'on met hors des établissements scolaires pour non-paiement des frais, d'où la colère de certains parents. Lille, c'est vrai que les frais ne sont pas obligatoires. Oui. Mais je vous dis, il y a un principe de justice sociale qui veut que quand vous êtes dans un établissement scolaire et qu'un enfant a payé pour qu'on ait un banc, vraiment c'est difficile. On ne le fait pas. C'est pas obligatoire. Oui, c'est pas obligatoire. Oui. Ouais, si le parent choisit. Donc ça fait que Lille, on se retrouve toujours dans des situations où les enfants, c'est vrai, les frais ne sont pas obligatoires, mais ils doivent. Le devoir de l'État de former. Vous comprenez? Le devoir de l'État dont tu parles, Raoul Lemopi. Le devoir de l'État dont Raoul Lemopi, il a totalement raison de le dire. Mais je voudrais expliquer à Raoul Lemopi qu'à la faveur du boom démographique qu'on a eu dans notre pays, on a été obligé de copier ce que les autres font ailleurs. Est-ce que vous, en tant que président, est-ce que vous savez que, je vous ne m'arrêtez pas, est-ce que vous savez que
nos ancêtres, les Gaulois chez lesquels on aime aller chercher. Quand vous prenez les lycées français qu'on a à Yaoundé et à Douala, vous allez là-bas, vous allez trouver ce qu'on appelle les maîtres des parents. Vous allez trouver une association des parents d'élèves. Oui. Pourquoi? Parce que les uns et les autres estiment que l'établissement seul ne peut pas réunir tous les moyens qu'il faut pour que leurs enfants soient à l'aise. D'accord. Si eux qui ont ces moyens-là le disent, à plus forte raison, nous, dont les États sont dans les situations ils sont et avec la demande sociale aussi élevée. Donc, je voulais dire que. S'il vous plaît, on ne parle pas tous en même temps. Vous avez le temps, on vous écoute, Raoul, s'il vous plaît. Un peu de discipline, vous êtes un enseignant. De qualité. Voilà, de qualité surtout. Voilà, on lui fait la remarque sur le plateau. Donc, je voulais dire que, en réalité, l'État. L'école, au stade où nous sommes, ne peut pas fonctionner sans les APE. Raoul vient de faire une proposition, une autre proposition que moi je trouverais peut-être merveilleuse. C'est-à-dire que si les APE font problème et qu'on est conscient de la demande sociale, on est conscient de la difficulté dans laquelle notre école se trouve, peut-être qu'on peut dire, ok, on stoppe cette affaire, mais de l'autre côté, on relève les montants des frais exigibles de sorte que les établissements puissent continuer à fonctionner. D'accord. Parce que mine de rien, la seule existence de ces APE, et vous voyez, elle crée beaucoup de débats. Donc, il y a des formules alternatives qu'on peut essayer. Mm-hmm. Maintenant, l'apport de l'État, vraiment, ne nous faites pas vous exposer une fois de plus les réalités budgétaires de l'État et ça va faire que sur une autre casquette. Non, pas du tout. Je n'ai pas besoin de votre casquette là ici. Il y a un téléspectateur qui a envoyé un message, Constantin Boyo-Geoda. Lille, bonsoir. Nous sommes ensemble. Ça, c'est le forum de 4e pouvoir. Je suis enseignant et je suis en train de regarder le débrief que vous animez. Raoul est totalement à côté de la plaque. Il s'agit simplement d'une suspension différente, d'une suppression récurrente à la clôture de l'année scolaire en attendant la reprise du service par le personnel administratif vers la fin du mois d'août. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui, monsieur le proviseur, de permettre aux parents de comprendre les enjeux? Parce que aussi parfois, c'est un manque de communication et les parents, puisqu'on est asphyxié par les frais scolaires et tout ce qui va avec comme environnement socio-économique, de leur dire exactement, ok, on a vraiment besoin de vous pour avancer, sans vous on ne peut rien, et que quand l'enfant, quand le parent dépose cet argent-là, qu'il puisse voir ça sur l'environnement même, c'est-à-dire que dans l'établissement scolaire et même dans l'éducation de son enfant. Effectivement, ça c'est une bonne question qui nous permet vraiment de rentrer dans le débat de l'APE. Qu'est-ce que vous voulez demander, qu'est-ce qu'on fait des frais d'APE dans l'établissement. Voilà. Déjà, l'information au niveau des parents se fait. Parce qu'on a les assemblées générales dans l'établissement deux fois par an avec les parents. C'est à cette occasion qu'on leur dit, voilà, c'est qu'on, d'abord, à la rentrée, on leur dit, voilà, ce qu'on entend faire, etc. En fin d'année, on leur dit, voilà, ce qu'on a fait, on donne les résultats des enfants et tout cela. Donc, ils ne savent pas exactement à quoi servent ce fonds, le fonds d'APE. J'ai entendu M. Lemopi parler de la masse salariale, des vacataires. C'était un exemple. C'était un exemple. Oui, je suis d'accord, mais il ne faut pas que ça passe. Il faut que le territoire en soit édifié. Okay. Le fonds d'APE ne sont pas là seulement, exclusivement, pour payer les vacataires. Vous connaissez très bien, autant que moi, que tout l'ensemble du confort, comme a dit Lille tout à l'heure, tout le confort dans l'établissement, c'est l'APE qui supporte. C'est-à-dire que les bâtiments, vous en avez parlé, tout ce qu'il y a comme réfection, les infrastructures et tout cela, l'APE supporte également cela. Ce n'est pas le plus simple, monsieur Lemopi. Vraiment, ce n'est pas le plus simple. Hein? Vous voyez très facilement l'argent, 125 millions, etc. Mais toi-même, chez l'établissement, tu ne te rends pas compte à quelle vitesse l'argent est sorti. Je te souhaite de cet établissement un jour. Peut-être avec les nominations qui arrivent et ça va produire quelque part. Et je voudrais vous dire que, d'ailleurs, l'argent ne sort pas de l'APE n'importe comment. Il y a un document que le président de l'APE doit signer, qu'on appelle demande de mise à disposition du fonds. C'est-à-dire, voilà le projet ici d'Aquanor, il veut par exemple, je dis n'importe quoi faire, il veut faire les vidanges, les toilettes des élèves, etc. On calcule que c'est 600 000, je dis n'importe quoi, une fois de plus. Il fait une demande qu'il adresse au président de l'APE, c'est lui qui donne l'accord. Le président de l'APE signe ce document pour dire qu'il est d'accord que ce fonds soit débarqué pour. On dénonce aussi un message qui arrive pour dire que non, ce que vous expliquez là, il y a des connivences entre le président des APEE bon, et vous. Je parle en ce qui est global. Oui, non, je comprends. C'est un message d'un téléspectateur. Maintenant, vraiment, chacun parle de ce qu'il fait. D'accord. En ce qui me concerne, je parle devant vous, devant la caméra. J'ai des relations purement professionnelles
avec mon APE. Mm-hmm. On demande la mise à disposition de fonds, je fais ce qu'on demande que je fasse. Mm-hmm. Et une fois qu'il a répondu, il peut trouver que c'est excessif. Il peut trouver si ou ça. Mm-hmm. Encore que excessif, c'est même trop dit. Parce qu'on a parlé de l'avant-projet du budget. Mm-hmm. Ce document, le président l'APE est là. Mm-hmm. Il sait que le curage des caniveaux, ça doit coûter tant. Mm-hmm. Voilà, donc c'est quand il a fait cette mise à disposition de fonds que le proviseur. Et je vais vous dire une fois de plus. Mon jeune collègue a parlé de l'argent de l'APE qui est logé à la banque. Dans tous les agissements, c'est le cas. Et je vais vous supplanter pour vous dire que le proviseur, le chef d'établissement, n'est pas signataire de ce compte. Du tout. Pas du tout signataire de ce compte. Chaque fois qu'il émet le besoin en tant que gestionnaire, c'est le président de l'APE, l'agent financier, les trois signataires. L'un des deux, les deux parmi les trois peuvent aller à la banque, défaquer l'argent. Une fois que le président de l'APE a donné l'accord, a signé la mise à disposition de fonds. Voilà. D'accord. On est en train de sortir. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire donc finalement? Peut-être écouter aussi les doléances des parents ou d'élèves qui souhaiteraient définitivement qu'on n'en parle plus de cette affaire. Pardon, excusez-moi, une minute, Raoul. Oui. C'est pas dans mes habitudes de couper les dames. J'allais oublier, Raoul a soulevé une proposition que Yves a également agréé en parlant d'augmenter les frais exigibles. Pour annuler les frais d'APE. Mmh. Mais on tournera en rond. Ce n'est pas comme si les frais exigibles sont payés par quelqu'un d'autre que les parents. C'est tous les parents qui paient les frais exigibles. Mais on trouve que c'est deux. C'est-à-dire payer les frais qui sont déjà énormes et venir payer encore l'APE. Justement. Avec un montant que nous, peut-être on connaît là, ça devient compliqué aussi. Hein. Non, justement, ça peut éviter. C'est compliqué parce que, en fait, si on vous prépare que chaque année, vous allez payer peut-être 20 000 de frais de scolarité, tout ça entre là, le parent peut se préparer. Mais quand vous venez déjà, quand on a augmenté peut-être les frais de scolarité, et on vous dit encore qu'il faut payer peut-être 25 000 ou 50 000 de frais d'APEE, ça devient compliqué pour le parent. Je vous explique, puisque je suis devant vous pour vous expliquer. Mm-hmm. C'est-à-dire que ces frais-là n'ont pas les mêmes destinations. Les frais d'APEE, il a parlé d'infrastructures, il a parlé de paiement de vacataires, je peux parler du fonctionnement de l'APE même en tant que bureau. Conseiller, je peux parler de projets informatiques dans tous les établissements publics de ce pays. Le projet informatique, tout ça, c'est supporté par l'APE. Les frais exigibles s'occupent d'autres aspects. D'accord. Voilà. Merci pour ces précisions-là. On fait donc quoi? Moi, je parle du fait et je parle du droit. On a déjà compris tout ce que vous avez dit. Qu'est-ce qu'on fait dans maintenant? Comprenez, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Mm-hmm. Pour éviter tout ce désordre, parce que c'est le désordre. Parce que quand le proviseur parle, je vais seulement demander, est-ce qu'à date, tous les proviseurs du lycée, tous les proviseurs de Douala ont payé les salaires des vacataires, rien que pour le dernier mois-ci? Mais vous ne pouvez pas lui poser la question, il n'en sait rien du tout. Donc c'est quand même pour dire que... C'est quand même pour... Monsieur le proviseur, laissez-moi, je vais dire quelque chose. Monsieur le proviseur, donnez-moi une seconde. Allez, ça va, il répond. Okay. Laissez, il répond alors. En ce qui concerne le lycée Lacroix-Nord, tous les salaires des vacataires enseignants sont payés. D'accord, merci. Même chose pour Yap et Deido. Voilà. Ok. Pour terminer, c'est vraiment... Non, les téléspectateurs qui sont là. Je vais donc vous dire quelque chose qui est simple. On sort. Pour éviter tout le désordre ici, parce que c'est le désordre. Je reste dans le droit. Si on va vers la décentralisation, avec le transfert des compétences au conseil régional, la solution la plus idoine pour contrôler les fonds, parce qu'il y aura des comptes-parts qui seront transférés au conseil régional, c'est qu'on relève, n'est-ce pas, les frais exigibles. Et maintenant, dans le découpage, n'est-ce pas, de l'utilisation de ces frais, on connaît les comptes-parts qui iront au conseil régional, pour permettre au conseil régional d'exécuter tout ce qui est contenu dans cet arrêté. Parce que si par exemple on veut continuer à faire confiance au chef d'établissement pour qu'à l'arrivée des courses, chaque fin de mois, les vacataires font le footing derrière les proviseurs, les parents font le footing, peut-être pour avoir une toilette, pour avoir ceci, on ne va jamais faire quelque chose de pertinent. Or, en remettant cela, en relevant les frais exigibles, peut-être de 10 000 ou de 20 000 selon les cas, automatiquement, il y aura une ligne budgétaire, une ligne de dépenses ou bien une ligne de collecte qui ira directement au conseil régional. Et on saura que si le lycée de Brazzaville, par exemple, manifeste la volonté d'avoir en son sein un bloc administratif et porte le projet au conseil régional sur les fonds que le conseil régional vient construire, le bloc administratif. Et là donc, l'école va cesser d'être un lieu d'affrontement pour les questions d'argent. Ici, les enseignants que nous sommes, nous serons focus sur l'enseignement et plus rien d'autre. Merci. J'ai dit, vous allez me lancer les flèches parce que j'ai dit pourquoi.
Mais ça reste ma position. Merci. Et je ne bouge pas là-dessus. Merci. Pour sortir, oui, les parents attendent sortir, une suspension définitive. Oui, pour sortir. Et on attend Madame la ministre dans les jours à venir. Oui, pour sortir, je vais dire que ce que Raoul dit rentre dans le cadre des propositions. Hein, donc, il est écouté. Cette émission est écoutée. Bon, les décideurs en feront ce qu'ils veulent. Et je signale que, toujours par rapport à la question de contrôle, il y a un ancien président d'APE du lycée d'Oyac qui a pris. Et coupé de 15 ans de prison pour vous dire que les contrôles se font. Maintenant, sur le copinage avec le proviseur, je voudrais dire qu'en réalité, quand le proviseur m'écrit, il me demande par exemple, je veux 3 millions de francs pour payer les salaires des vacataires. Je vais dans mon document de budget, le budget prévisionnel, est-ce que cet argent est prévu? Si cet argent est prévu, je mets OK. Si l'argent n'est pas prévu, je vais dire à monsieur le proviseur, mais monsieur le proviseur, on a, l'argent était là, peut-être qu'on l'a épuisé, on n'a plus l'argent pour cette dépense. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une affaire qui est automatique. Lille, je signale aussi pour sortir qu'il y a une très grande focalisation, quand on parle de l'APE, il y a une très grande focalisation sur les établissements publics, mais je voudrais vous dire que même dans le privé, il y a les APE et je ne vous trouve pas, vous les journalistes, aussi regardant que vous l'êtes avec le public. Sur le public, pourtant, c'est l'État. On non, ils ont une concession, ils rendent un service public. Oui, c'est dans le privé. Et vous savez comment ils maltraitent les enseignants de ce côté. C'est-à-dire que quelqu'un enseigne au privé, on paye à 200 000, mais il n'y a aucun enseignant là-bas qui a un salaire de 100 000. On reviendra aussi sur le cas du privé. Voilà, c'est parce qu'on annonce déjà les établissements privés et des groupes scolaires qui augmentent déjà les frais de scolarité sans aucune avec les anciens payés à 40 000 francs. C'est pas sérieux. On sort avec vous, monsieur le proviseur. Qu'est-ce que vous dites à ces parents qui vous regardent concernant donc cette sortie? On doit maintenir que d'ici quelques temps, vous aurez l'information complète venant de votre ministère de tutelle. Oui, je dis aux parents, pour vous sortir, je dis aux parents de rester attentifs, de continuer à accompagner les établissements publics parce que on en a besoin. Et de faire confiance au gouvernement, faire confiance à Madame la ministre, faire confiance au chef d'établissement. Parce que cette dame, quand elle est arrivée à la tête du MINESEC, elle a un mot qui lui tient à cœur, la notion de clean school. Le clean school ne renvoie pas exclusivement à la propriété de l'environnement. D'accord. C'est aussi dans les mentalités, dans les comportements. D'accord. Je crois pouvoir dire que la plupart des chefs d'établissement, sinon... La grande majorité, tout au moins, sont dans la logique de ce clean school-là, qui leur permet d'être, sur le plan moral, à peu près irréprochable. D'accord. Donc, ce qui est clair ce soir, vous attendez uniquement les directives de Madame la ministre des Enseignements secondaires. C'est juste une interdiction pour le moment. Il n'y a pas de suspension définitive des frais d'APEE dans les établissements publics au Cameroun. Voilà qui est clair. Olivier Amen Bombo, proviseur du lycée d'Akwa Nord. Bona Moussa dit merci d'être venu sur ce plateau et beaucoup de courage pour la suite. On attend le pourcentage au baccalauréat puisque vous êtes en plein dans les délibérations. Yves Abama, responsable APEE. On attend la clarté dans la gestion des frais d'APEE. Raoul Lemopi, enseignant syndicaliste. Madame la ministre va certainement vous convoquer pour prendre d'autres informations pour pouvoir... retirer les brebis galeuses de ces milieux. En espérant que l'homme n'en ait pas une. Au Cameroun, mesdames, messieurs, ça a été un plaisir d'être des vôtres. Cette semaine encore sur Canada International, demain c'est le débrief sport qui prendra le contrôle avec Mathieu Fangoua. Si Dieu le veut, je vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités et d'autres thématiques. Merci à toute l'équipe technique. Juste derrière, le 19h50, présenté par Michael Tipkiou. Bonsoir.